Et salut à tous les amis, c'est Sarenik. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure de Spider-Man. Waouh, j'avais pris cette tenue? Non, c'était la négative, je crois, que j'avais mise. C'est pas la bonne tenue du jour. Faudra que j'aille là. Hop. C'est pas la bonne, c'est celle-là aujourd'hui. Appartement de Norman quand je serai prêt à aider MJ. Hop. Allez, c'est parti. Là, on va s'occuper du camp. Et dodo. Spider-Man, bougez plus. J'y vais. Je dois casser leur armure d'abord. Waouh, tous les snipers! Aïe! Bon, je me laisse tuer et je vais y aller plus discrètement. Parce que là, il y avait vraiment trop d'ennemis. C'est sniper surtout qui pose problème. Coucou, je panier. Ensuite, c'est le bâtiment d'en face. Ok. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Aïe. Ah. Neutralisez-le.
Boum. Ouah. Waouh. Ok. Il reste plus. Voyons ce qui manigançait. Capitaine, les types de sable ont apparemment expulsé tous les habitants d'un immeuble pour en prendre possession. Et ils ont coffré les récalcitrants. Ok, je devrais pouvoir faire quelque chose. Mais il faut qu'une victime accepte de témoigner. Je vais les libérer. Et je vais faire en sorte qu'ils portent plainte. Un intrus dans le périmètre. Sûrement Spider-Man. Mais alors, quand vous étiez petit, vous disiez « Quand je serai grand, je serai un oppresseur fasciste !» Ouais, ça m'étonnerait pas. Alors, on va changer de pouvoir de tenue et on va mettre nos petites araignées électriques. Hé hé, des renforts ! On va bien se marrer ! Boum. Encore ? Dites, vous réalisez qu'il y a de vrais criminels dans la région ? Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Spider-Man, vos doutes étaient fondés. Les personnes expulsées dorment dans le refuge ou directement dans la rue. Je sais ce que ça fait d'avoir nulle part où aller. Ces agents de sable ont la chance de porter des protections parce que je risque de perdre mon sang-froid. Les agents de sable, au secours! Je me fais attaquer par des agents de sable! Hé! Hey. Ah oui, bah non. Waouh.
du monde. Vous savez, pour un prestataire privé, il coûte quand même sans gêne. Allez. Hop là, on est bon ? Je crois qu'on est bon. Et coupé ! Libérer les prisonniers. Comment je fais ? Ah, j'ouvre la porte. Les gens qui étaient détenus regagnent maintenant leurs appartements. Parfait. Et j'ai réussi à faire entendre au cabinet du maire que de mettre des électeurs à la rue n'était pas dans leur intérêt. Ça n'arrivera donc plus. Ok. Très bien. Hop. Le petit défi qui est juste là. Ouais, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait, les défis, les missions annexes, tout ça. J'aimerais mieux d'aller sauver cet homme. Ok, c'est très proche bien. De la perfection. Alors, hop, je vais aller chercher ce sac à dos.
D'abord, je vais récupérer cet oiseau. Ce pigeon connaît mieux la ville que moi. Allez, hop. Un nombre croissant d'auditeurs nous alerte sur les agents de sable qui, sous prétexte de nous protéger, se comportent de plus en plus comme des occupants hostiles. On prend un nouvel appel. Allez-y. Ils veulent pas me laisser entrer dans mon immeuble. Quarantaine, ils me disent. Je leur dis ok, je rentre et je bouge plus d'ici. Ils ont sorti le plan et vous tirez comme si j'étais hop, un criminel. Voilà. J'ai nulle part où aller. Votre témoignage me choque profondément. Je promets d'en aviser les autorités compétentes. La crise ne doit pas servir de prétexte pour piétiner les droits de l'homme. Si vos élus n'ont pas l'intention de se battre pour vous, J. Jonah Jameson est remonté à bloc. Mais moi, vos armures, elles me font mal au poing. Allez, on va faire... Hop, je vais mettre un marqueur, pas besoin d'y aller. Voilà, hop. Garnison de Sugar Hill, quelle est votre situation? Centrale, transport et coupole à poursuite de fugitifs. Juste une réflexion, quand vous sortez de prison, allez-y mollo sur les émeutes. Ces types, c'est comme des chips. On en cogne un, on peut plus s'arrêter. Là. Allez, très bien, c'est parti. Pete, ma mère croyait beaucoup au chauffage par la vapeur. Elle est meilleure pour l'environnement que les énergies fossiles. Sauf qu'une trop forte pression peut provoquer des explosions. Cette station contrôle la pression au niveau des bâtiments. Il faut montrer à Oscorp que cette solution vaut la peine. Si tu veux bien. Harry tient vraiment à préserver le travail de sa mère. Et je le comprends. La pression a fortement augmenté dans plusieurs bâtiments proches. On dirait que c'est à cause des régulateurs défectueux. Je dois les supprimer avant que la pression ne grimpe trop. Et surtout que le bâtiment explose. La ville remplacera les régulateurs que je vais casser. Pas le temps de respecter les biens publics. Allez. Heureusement, les régulateurs sont à l'extérieur. Un tir de toile bien placé devrait les détruire. Il paraît que je connais déjà le sujet de la prochaine chronique de Jameson. Spider-Man vandalise la ville. C'est aucun. Un seul suffit pour provoquer l'explosion. Trop de gens dans ce bâtiment. Pas le temps de les évacuer. Je dois agir. Détruire ces trucs causera pas de problème. La ville aura aucun mal à les réparer.
sais pas où sont les autres. Sur un autre bâtiment, de l'autre côté. Ah ouais. Ok. Là, ce côté-là, c'est bon. Allez. Ok. Faut que je monte sur le toit pour vérifier l'évacuation de la pression. Sans d'araignée ne capte rien. Tout le monde est en sécurité. Je devrais sortir d'ici avant qu'on me demande de payer pour les dégâts. Très bien. On va faire ce... ce camp de démons. Ça fait longtemps qu'on n'a pas combattu des démons. Une meute de loups, une volée d'oiseaux, et quoi, une carcérée de prisonniers? Hein, corrigez-moi. Vraiment tout ce tapage. Ok. Pour moi, je dirais que... Garnison de Sugar Hill, quelle est votre situation? Transport Kilo, début de la patrouille, on se concentre sur Spider-Man. Salut. Est-ce que ce toit est libre? Voilà pour la mise en bouche, passons au plat du jour. Où est l'entrée? Elle est là. Allez, c'est parti. Le saut de l'ange. MJ, je suis sur le troisième site. Apparemment, c'est carnaval au bureau aujourd'hui. Tu vas te sentir comme un poisson dans l'eau. Mais tu seras pas là pour te reposer. Ouais. J'ai l'impression qu'ils vont pas apprécier ma présence bien longtemps.
ça. Allez, viens ici, mon petit. Bonne nuit. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais je suis plus fort qu'avant. On va essayer de les faire les 10 coups de grâce. Vague 4. Je suis sûr que vous vous débrouillez vachement mieux que vos potes là qui traînent par terre. Cet endroit est enregistré en tant qu'importateur de composants informatiques. Il y aurait qu'on pouvait fabriquer des ordi avec des armes à feu. C'est donc une armurerie. Plus pour longtemps. Je vais bientôt venger Jeff Davis et tous ceux qui ont péri à l'hôtel de ville. T'as mieux. Hey, je me demandais, comment vous faites pour éternuer avec vos masques? Ah, parce que moi... Donne-moi ton bouclier, toi, mon petit. Hé, les nouveaux invités! Venez, prenez une chaise! On fait le jeu du chapeau! Boum! Bam! Bam! Et voilà. MJ, tout est réglé. Tu ne t'es pas laissé emporter, j'espère. Ce qu'ils ont fait est horrible, mais tu n'es pas comme eux. Ok. On va faire celui-ci.
Et je pense qu'on va se laisser après là-dessus. Ok, je suis allé voir votre site web et c'est écrit nulle part « Aggraver les situations de crise ». Ok, j'ai gagné la bataille. Mais je suis sûr qu'ils ont une bonne mutuelle. Hop là! Allez, très bien. Labo de recherche. Atteint un niveau dangereux. Il faut que je fasse quelque chose. Et vite! Les satellites d'Oscorp photographient l'activité sismique sous les rues. Si je frappe le sol assez fort au bon endroit, je verrai les zones de pression extrême. Ce niveau de pression indique un blocage des soupapes de sécurité. Quand je les aurai trouvées, je devrais pouvoir les débloquer avec un autre coup sur le sol. J'ai réglé mes lentilles sur la station de recherche. Les zones de forte pression apparaîtront en rouge, les autres en bleu. Allez, go! Je dois percuter la rue avec force pour générer un choc suffisant. Ok. J'ai trouvé une zone à risque. Pas les chaussures. J'ai réussi. C'est pas la seule zone à risque. Pour localiser les autres zones de pression, je dois frapper le sol ailleurs pour obtenir un signal. J'ai pas beaucoup de temps. Si Oscorp utilisait la station d'Harry, ils auraient identifié le problème avant qu'il empire. Et bien sûr, s'il y a une explosion, ils accuseront Harry. Mais le danger n'est pas encore éliminé. Je dois faire vite. Ok. C'est ici. Je suis dessus. Ok. Ça permet de relâcher la pression. Si seulement c'était aussi simple dans la vie. La station d'Harry a permis d'éviter une grosse explosion. Ils ne pourront plus la fermer maintenant. C'était une journée productive. Ok. Est-ce que j'ai le temps de faire... Ouais, on va aller chercher le petit sac. Hop là. Allez, avouez. Vous avez signé pour les jetpacks. Et maintenant, vous savez plus où vous en êtes. Approchez pas. Ah.
l'avez mérité quelque part, non? Electro qui veut saborder notre réseau électrique. Vulture et sa mort venue du ciel. Spider-Man qui les provoque en plein cœur de la ville. Et vas-y que ça se bagarre comme des mômes. Des sales mômes surpuissants qui causent la mort et la destruction. On me demande souvent, pourquoi c'est des gens comme eux qui ont des super pouvoirs? Et pourquoi pas quelqu'un comme vous, Jonah? Ah, eh bien j'ai songé à exploiter la science pour m'attribuer des pouvoirs. Uniquement dans le but de mieux vous protéger, bien sûr. Mais après mûre réflexion, j'ai tiré un trait là-dessus. Parce que les pouvoirs vous corrompent. Je suis un homme du peuple et je tiens à rester un habitant ordinaire de New York qui travaille dur. Je ferai ma part avec mon émission, avec mon empire médiatique et avec mon immense fortune personnelle. Pas la peine de me remercier, c'est normal pour un homme du peuple. Eh bien les amis, merci à tous de m'avoir suivi et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde! We'll be right back.